Ok. Bon, ça passe avec le 4P, vous pensez ou pas? Il y a moyen avec le 4P, je pense. Non, le seul endroit où j'ai vraiment du mal sur le scénario, c'est le targeting sans nameplate des mobs, en fait. Les mobs n'ont pas de nameplate, et je trouve que ça, c'est assez chiant. Pour voir les PV des mobs, etc., c'est relativement relou. C'est la seule chose qui me... où j'ai du mal, hein. Tout le reste, la preuve, c'est que la P1, je la one-shot quasiment tout le temps. La P2, là, pareil. La phase où il faut heal, les putains de targets qui arrivent, là, où t'as pas de visu, la caméra, elle est difficilement orientable et tout, c'est un peu de la merde, je trouve. Ils auraient dû faire une salle vide, tu vois. Enfin, plate. Pas avec des murs tout autour qui gênent la caméra, tu vois. Rien. C'est relativement chiant, je trouve. They can't put out, carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me son, don't let it slip away. Ouais, putain, je devais bien un PV. Ah, tu vois, déjà, je les OS plus là. J'ai changé de stuff, j'ai OS plus, j'ai plus beaucoup de crit. Ça sent. Ouais,
allez, on est bien, on a trop d'avance. Attends un peu. J'ai quand même l'impression d'avoir moins de puissance de feu avec ce stuff. Même si j'ai le 4P au final. Ce qui va m'aider sur cette phase là. De toute façon je pense. Hein. Pas de raison que... Le problème c'est que je perde l'intel. Hein. Je perds pas mal d'intel. C'est une quête. Il me rapproche plus de mon capat, mais... De mon caprit, pardon. Un trinket. Je pourrais tellement avoir mieux en trinket et en 4P en fait que ça pourrait tellement carry la game. On va attendre l'impo quand même. Je vais mettre le bain d'info en mollet de bain.
Après, je sais qu'ici, il y en a qui utilisent différents trucs pour contrôler. Mais pour moi, la repentance reste le mieux pour pouvoir gérer un peu tous les mobs avec un CD qui revient rapidement. Et puis bah là, la dévotion orage, je pense qu'il n'y a pas trop de choix. Parce que ça reste fort pour tenir. Enfin, pour réduire surtout les dégâts du groupe. Et sur la phase de pour remonter les mecs pour pas avoir trop à s'en occuper. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup moins de dégâts et du coup ça permet vraiment de se focaliser sur les mecs carrés. On va aller récupérer notre bel artefact du coup, quand même hein. Ah, je suis soulagé là. Je savais que j'allais. C'était une question de 4 parts. Hein, question de 4 parts, au final j'ai eu un mob. Alors les mecs qui sont full 9, qui ont 910, 913, vous pouvez n'avoir aucun mob. Moi j'ai un petit peu un stuff un peu en dessous. C'est-à-dire que quand je mets mon 4P, je suis obligé de partir avec des gants 875 Versa Mastery et des épaules Adversa. J'étais obligé de mettre un trinket tank pour pouvoir avoir presque mon capat. Mon cap crit, pardon. Autant vous dire que mes deux trinkets puent la merde, hein. Genre XXL. C'est-à-dire que là, je vais repasser sur mon opti normal, d'accord, sans 4P, parce que malheureusement, je ne peux pas l'équiper. Donc c'est-à-dire que je remets ma cape là, je remets ses épaules, cape épaule, 2P, et on vire les gants, on met les gants 905. C'est mon gant 905. Non, crit. 900, pardon, crit date. Voilà. Voilà, on part sur. Et le trinket, bien évidemment. On va dire ça. Hop, voilà. Ça, c'est l'outil normal que j'ai. Et j'aimerais bien avoir mon 4 parts. Ouais. Parce que le 4 parts, on l'a vu là, hein, sur ce scénario, c'est quand même assez. C'est quand même assez. Assez mandatory, je trouve. Hein. Pour la phase 5, après les autres phases ça passe sans. Bonne nuit Ecops, dors bien. Tu penses que le double guide est vraiment opti? Il est obligatoire, oui. Ouais, il est vraiment opti parce que ça te permet dans la phase où tu heal les mobs de pouvoir healer tes deux mecs qui sont en train de se taper sur la gueule l'un l'autre. Et ça, ça a pas de prix. Hein. Et si vous pouvez vous permettre d'avoir le cap crit avec les épaules et la chaîne de train, allez-y les yeux fermés, hein, parce que les épaules elles carry tellement, c'est un truc de malade. Les épaules c'est trop fort, hein. Sur la P1 surtout. Sur la P3 vous prenez pas de dégâts donc c'est pas. Mais clairement si vous pouvez avoir votre cap crit tout en ayant les épaules, c'est GG wellplay. D'ailleurs pourquoi j'ai reperdu mon cap crit là dans l'histoire là? J'ai changé quoi? Ah oui, j'ai pas mis les bons gants. Où mes gants en fait? C'est ceux-là? Ouais, c'est ceux-là. Ah, parce que là, avec cette. Ça, c'est l'opti avec laquelle j'ai essayé au début. Le problème, c'est que mes flash heal, ben, j'en avais qu'un boosté. Et pour la P5, c'était un peu juste. Alors qu'avec le 4P, là j'ai fait un pull, c'est passé quoi. Raise your weapon, motherfuckers! T'arrives au bon moment, Mystikov. Je lève mon marteau au ciel de l'apparence cachée des chalets. Bon, ça va.